Bienvenue sur cette vidéo. Autant vous dire, je vais essayer de faire le plus court possible car il fait moins 4 degrés. Un hein, froid de canard. Et en parlant de canard, justement, j'aime bien comparer cette auto à un canard avec cette face avant là. On dirait qu'elle a un bec, un bec de canard. Bon alors qu'est-ce que c'est que cette auto Comme vous pouvez le voir, il y a un H devant. On est donc sur une Honda Oui, et pas n'importe quelle Honda, puisqu'il s'agit du ZRV qui est sorti. En milieu d'année 2023. Donc pour moi c'est la première fois que je prends cette voiture en main et donc la première chose qui bluffe un peu c'est évidemment ce style qui est totalement disruptif entre classicisme et ligne tendue donc c'est un peu particulier on aime ou on n'aime pas euh, bon bah moi je ne suis pas extrêmement fan surtout qu'en face il a des concurrents qui jouent vraiment euh, avec des looks vraiment très sympas. Euh, moi je parle par exemple du Renault Austral qui vient de sortir qui est vraiment vraiment très, très élégant et il va se retrouver juste en face du nouveau Peugeot 3008 donc il va avoir fort à faire pour convaincre les européens mais il a un avantage ce ZRV puisque c'est un Honda et Honda c'est juste peut être le meilleur motoriste de la planète et sans le voit sur les Formule 1, eh ben vous avez un moteur full hybride vraiment particulier. Donc vous avez un moteur essence qui est aidé par deux moteurs électriques, le tout fait 184 chevaux et euh, tout ça est mis dans une boîte de vitesse un peu complexe, euh, type CVT, mais qui à la différence des, de son concurrent euh, Nippon Toyota, euh, N'aime pas trop le moulin à café. Oui, oui, il délivre vraiment sa puissance très régulièrement. Il faut vraiment être en pleine charge pour entendre le moteur un peu euh, mouliné pour euh, développer sa puissance totale. Et les 184 cheveux sont vraiment là. Il fait le 0 à 100 en moins de 8 secondes. Et quand vous mettez le mode sport, vraiment, la voiture pousse vraiment bien. Donc c'est vraiment un très très bon moteur. Surtout que durant mon essai, j'ai pu euh, faire moins de 6 litres de moyenne donc on est sur une consommation digne d'un diesel et le plus bluffant c'est quand j'ai fait euh, donc du périph un peu roulant donc du périphérique parisien de la capitale un peu roulant j'ai même euh, pu atteindre 4,4 litres de moyenne car il a vraiment beaucoup utilisé son système euh, électrique sur autoroute de surprise, là on va plutôt être à 6 5 litres 5 de moyenne. Bah, tu as l'électricité est un peu moins performante, évidemment. On a plus besoin de l'essence pour emmener tout cela, mais ça reste des consommations ultra contenues. Et de plus, et c'est là le plus intéressant, si vous conjuguez ça à son châssis, son châssis est un vrai châssis Honda. On est sur quelque chose de rigide, ça tient vraiment très bien la route, ça limite tout les roulis possibles imaginables tout en gardant des suspensions tout à fait classiques et cela se ce fait sans trop perdre en confort j'avoue que les sièges ils sont pour beaucoup car les sièges sont bien enveloppants ils sont plutôt sympas donc moi je vous propose d'aller faire un petit tour à intérieur car là j'en peux plus je vais perdre mon petit nez mes doigts c'est trop difficile allez venez avec moi Nous voici à l'intérieur donc du ZRV. Alors, comme vous pouvez le voir, euh, ce n'est pas la gaieté qui va euh, vous éliminer. Par contre, on est euh, sous la lumière grâce à un grand toit vitré et euh, la vision panoramique est plutôt assez bonne pour la catégorie. Euh, la ceinture de casse n'est pas trop haute, donc on est plutôt euh, euh, agréablement surpris par la chose, tout en sachant que euh, ça reste une Honda. Donc, c'est plutôt bien fini. Les matériaux sont de qualité. Euh, tout est bien ajusté. Là, vous avez vraiment des, des matériaux faits pour durer plus que pour euh, en mettre plein à vue. C'est plutôt ça qu'on va euh, dire sur, sur ce tableau de bord. Euh, et, et même ce volant, euh, c'est une sorte de haut de gamme à l'ancienne. Euh, pas de fond de freluche, pas de boutons euh, partout ou d'utilisation justement de trop d'électronique, on est vraiment plutôt sur des matériaux comme on, veut, on peut le sentir, conçus pour durer, c'est vraiment ça qui va, euh, qui va faire la différence avec d'autres, donc si le dessin est agréable, c'est pas non plus le plus moderne, tout comme sur le système multimédia qui est plutôt, allez, honorablement conçu, mais on est loin des performances qu'on peut avoir par exemple sur un Renault Austral, qui a conçu tout son système là en forme de L avec Google qui est vraiment le top du top et pourtant l'Austral euh, est sorti voilà quasiment en même temps que, que cette voiture là à quelques mois près donc on est en cran en dessous euh, question ergonomie là aussi euh, si on retrouve voilà l'essentiel des boutons euh, et que c'est pas trop compliqué de s'en sortir il y a deux trois choses qui sont totalement pénibles comme le fait euh, surtout des reconnaissances de panneaux, l'assistant de reconnaissance de panneaux qui est insupportable et il se remet à chaque fois à zéro quand on le déconnecte. Euh, et là, c'est juste euh, une manipulation de plusieurs clics et c'est juste pénible, pénible, pénible. Et euh, j'avoue que ça, c'est euh, presque rédhibitoire pour vous dire la chose car vous avez en permanence le système de reconnaissance de panneaux qui vous dit. Hein, J'ai reconnu le panneau, bip bip bip, tu vas trop vite. Alors qu'il a reconnu le mauvais panneau parce qu'il y a un double panneau et la l'assignation n'est pas claire. Pour, un, pour un, une intelligence artificielle d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est assez pénible. Euh, le, voilà, grosso modo, sinon, on s'y sent bien. Moi, je suis plutôt assez bien euh, assis. Euh, les sièges sont légèrement baqués, on se sent bien. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le confort des suspensions, ce n'est pas le top du top, mais par contre comme on est bien assis, euh, ça gomme plutôt assez bien les choses. Donc c'est un confort ferme mais agréable. L'espace à bord est vraiment euh, dans la très bonne moyenne du segment. À la différence d'une chose, le coffre, le coffre qui fait seulement euh, 380 litres de mémoire, en dessous de 400 litres, alors que euh, ses concurrents vont taper vers 450, voire même 500 sur certains. Euh, donc, c'est un bémol euh, quand vous voulez partir avec une famille. Mais par contre, l'espace les, les, au rang 2, vous avez vraiment pas mal d'espace euh, pour les jambes. Euh, Quelqu'un d'un mètre 80 comme moi se met à l'avant, à l'arrière, et il a encore une dizaine de centimètres au niveau des genoux. Donc, vraiment, vraiment pas mal là-dessus. Euh, que vous dire d'autre bah, euh, ce, ce petit bolide, ce petit SUV compact, euh, a un autre défaut. Et là, c'est un vrai défaut. Quand vous voyez sa fiche technique, donc il a 184 chevaux, ok. Il est plutôt très bien équipé parce que vous n'avez que deux finitions, donc vous avez la finition sport et advance, sauf que bah, le prix débute à 47 000 euros. Ouais, et là, ça pique. Puisqu'en face, par exemple, si on reprend le tout nouveau modèle de Renault qui est vraiment pour moi devenu la référence, le Renault Austral. Le Renault Austral Full Hybride de 200 chevaux commence à 43 000 et monte à 47 000. Mais alors là, vous prenez la finition iconique Esprit Alpine avec le train arrière directionnel, avec tout ce qu'il faut. Et mine de rien, c'est quand même un gros cran au-dessus. C'est quand même un gros cran au-dessus, euh, aussi bien dans l'espace, dans son comportement et dans les consommations. Même si tout est maîtrisé ici, le Renault va faire légèrement mieux. Mais euh, il ne faut pas douter d'une chose, c'est que ce produit restera l'un des plus fiables. N'oublie pas que c'est Honda, Honda c'est l'un des meilleurs motoristes. Ce moteur existe déjà sur la Civic et il est super bien conçu, il y a très peu de retours de fiabilité. Donc c'est peut-être là son meilleur argument c'est euh, le savoir-faire des ingénieurs mécaniques de la marque qui travaillent énormément sur la fiabilité et la fiabilité au japonais c'est un peu comme l'ensemble que vous avez ici là du mobilier c'est conçu pour durer et c'est peut-être là le gros avantage de cette Honda donc si vous voulez en savoir plus moi je vous donne rendez-vous sur la revue automobile vous aurez les photos l'essai écrit avec un peu plus de détails sur toutes les consommations et ces choses là la fiche technique et évidemment nous on se donne rendez-vous pour une nouvelle aventure. Je vous dis à bientôt disais Que c'était plutôt assez pénible euh, cette fameuse fonction aucun sens de panneau et qu'il faut absolument l'enlever parce qu'elle ne pige pas grand chose et qu'elle fait bip bip en permanence. Et ben la démarche c'est il faut appuyer donc sur le bouton home, on trouve les applis, il faut aller dans réglage du véhicule, on est déjà donc à deux hommes manip, configuration des systèmes d'aide à la conduite et ici trouver. Hop. Reconnaissance des systèmes, euh, voilà, des panneaux, hop, hop, hop. On fait aucun, et voilà, l'élément est désactivé. Mais c'est long, c'est très long, et donc d'ailleurs, après, on doit utiliser euh... le GPS. C'est trop long, et il faut le faire à chaque fois.